À l'étranger, c'est maintenant la haute volta qui retient l'attention des observateurs avec le nouveau coup d'État mené par le capitaine Sankara. C'est l'ancien premier ministre. Il a renversé le régime du président Ouédraogo. L'impérialisme, regardez dans vos assiettes quand vous mangez les grains de riz, de maïs, de mil importés. C'est ça l'impérialisme. N'allez pas plus loin. Que celui qui vous donne à manger vous dicte également ses volontés. À 15 ans d'emprisonnement, dont 7 ans avec sursis, vous condamne à rembourser à l'État voltaïque la somme de 61 838 101 francs. Pour l'impérialisme, l'exploitation des hommes est un acte tout à fait normal, a fortiori l'exploitation des forêts. Des femmes, point de salut. C'est en tout cas la conviction du gouvernement Sankara qui multiplie les initiatives destinées à changer les mentalités. Nous devons donner à chaque femme le moyen de gagner honnêtement et dignement sa vie. Les femmes voltaïques nous posent un grand problème parce que leur libération n'est pas facile. Elles sont aujourd'hui dominées par des hommes eux-mêmes dominés. Donc elles sont doublement dominées. Facile de s'attaquer à de tels préjugés, à de telles conceptions. Chacun de nous ici a été élevé dans le sentiment que parce qu'il est homme, il est d'office, il est d'emblée supérieur à tout ce qui est femme. Les mauvais maris, les mauvais maris, les paresseux, les voleurs, les voleurs, les maris réactionnaires, les petits patrons. Les grands patrons, à part. Les détourneurs de fonds, à part. Les voleurs, à part. Tout est Nganinga, on s'accapou. Tout est Nganinga, on s'accapou. Tout s'accapou, tout est Nganinga. Tout est Nganinga. Vive la révolution. Quelle est la place de la France dans vos alliances? La France est pour nous un pays qui a colonisé notre patrie. Thomas Sankara, parmi les 100 morts du coup d'État, l'ancien chef du Burkina est déjà enterré. Le coup d'État a été mené par le numéro 2 du régime, ami personnel du président Sankara, le capitaine Compaoré. Il connaît tellement de choses vaines que personne ne peut me protéger contre lui s'il voulait s'attaquer à moi. Il a contre moi des armes que vous ignorez. Donc, s'il prépare un coup d'État, il faut là être vraiment fataliste. Il faut se laisser aller. C'est imparable. Mmh.
mais au fond de vous, vous pouvez pas imaginer qu'il puisse. Non, enfin, non. Vous avez des regrets ? Dommage. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, honorable représentant de la communauté internationale, permettez-moi, vous qui m'écoutez, que je le dise, je ne parle pas seulement au nom du Burkina Faso, tant aimé, mais également au nom de tous ceux qui ont mal quelque part. Je parle au nom de ces millions d'êtres qui sont dans les ghettos parce qu'ils ont la peau noire ou qu'ils sont de cultures différentes. Je souffre au nom des Indiens massacrés, écrasés, humiliés et confinés depuis des siècles dans des réserves. Je parle au nom des femmes du monde entier qui souffrent d'un système d'exploitation imposé par les mâles. Je parle au nom des mères de nos pays démunis qui voient mourir leurs enfants de paludisme ou de diarrhée, ignorant qu'il existe pour les sauver des moyens simples. Je parle aussi au nom de l'enfant. L'enfant du pauvre qui a faim et qui louche furtivement vers l'abondance amoncelée dans une boutique pour riches. Mes pensées vont à tous ceux qui sont touchés par la destruction de la nature et à ces 30 millions qui vont mourir comme chaque année, abattus par la redoutable arme de la faim. Je parle au nom des artistes, poètes, peintres, sculpteurs, musiciens, acteurs, etc. Hommes de bien qui voient leur art se prostituer par l'alchimie des prestidigitations du show business. Je proteste au nom des sportifs du monde entier, dont les muscles sont exploités par les systèmes politiques ou les négociants de l'esclavage moderne des stades. Je crie au nom des journalistes qui sont réduits soit au silence, soit au mensonge pour ne pas subir les dures lois du chômage. Je m'exclame au nom des chômeurs réduits à ne percevoir de la vie que le reflet de celle des plus nantis. Je vibre naturellement au nom des malades qui scrutent avec anxiété les horizons d'une science accaparée par les marchands de canons. Militaire, je ne peux pas oublier ce soldat obéissant aux ordres, le doigt sur la détente, et qui sait que la balle qui va partir ne porte que le message de la mort. Enfin, je veux m'indigner en pensant aux Palestiniens, qu'une humanité inhumaine a choisi de substituer à un autre peuple, hier encore martyrisé à loisir. Oui, je veux donc parler au nom de tous les laissés pour compte, parce que je suis homme, et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. À bas la réaction internationale, à bas l'impérialisme, à bas le néocolonialisme, à bas le fantochisme, gloire éternelle au peuple qui lutte pour leur liberté, gloire éternelle au peuple qui décide de s'assumer pour leur dignité. Victoire éternelle au peuple d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie qui lutte. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.